je suis Sébastien, j'ai 42 ans, je travaille pour l'armée. J'ai débuté, je suis entré dans l'armée en 98, j'ai eu un accident vasculaire cérébral en 2001, en plein exercice, qui m'a occasionné donc une hémiplégie gauche et une invalidité à 90%. J'étais donc 6 mois dans un fauteuil roulant, 2 ans en centre de rééducation. J'ai dû arrêter le sport pour la rééducation et j'ai repris donc 3 ans après. Et j'ai refait donc du sport paralympique à haut niveau et du sport paralympique aussi pour l'armée. J'ai eu la chance donc de faire de nombreuses compétitions dans le monde, aux États-Unis, en Chine, en Australie, en Suisse, en Italie, en Allemagne, partout, grâce au sport. Alors, les motivations au quotidien, en fait, grâce au sport, ça m'a permis d'être dans une phase de reconstruction grâce au sport, de reconstruction physique, morale. Grâce au sport, ça m'a permis de redevenir un athlète semi-valide, entre guillemets. Donc l'idée c'est d'éloigner le plus possible le handicap qui sommeille en moi. Aujourd'hui, je cours avec des athlètes valides, j'ai le niveau d'un athlète valide grâce au sport. Mais partager mon témoignage de sorte à ce que si ça arrive à quelqu'un d'entre nous, quelqu'un d'entre vous, d'un ami, dans la famille, mais de se dire que c'est possible après un accident de la vie, un accident de moto, un accident de voiture, un accident de la vie, un problème de santé, que même avec un handicap, on peut refaire du sport et se retrouver, donc et revenir en bonne santé. Dernier conseil, si vous avez un ami autour de vous, de la famille, qui a un accident de la vie, n'hésitez pas à le remettre dans le rail du sport, parce que grâce au sport, on peut faire de belles choses.